vediamo se lo con io ho detto ma io mo giorno ma posso loro danza quella tenta c'è un'ora in tono ne va con c'è io mi sa che mi vuoi già si mi vuoi che vuole mi dava da fare su mutta me ci sono un pico mi vuoi buccio d'arazzi vuoi a troppo peggio c'è anche un'ora poco nella lancia e io ci vuoi voi il corpo il fiore ma voglio tu che sa che corpo l'intorcisi lo gigante con ferro ambrato della pesce Ora posso oggi sfaggia sopra la famiglia famiglia! No! Il mos di vane chi oggi pas! Di vane chi è manast! Da so che il mos mi scegliano da hanno i mori da contare! Ma il mos sfaggia schelio! Ma vanno con l'antico! Gen sei mo che fassi a nas! In ci di ciò fassi a nis! Fabrice, en compagnie de Rajan Douar, professeur conservatoire, part à Téhéran afin de faire travailler les étudiants iraniens en art dramatique sur Oedipe. Ils ont pu représenter à Téhéran la version iranienne d'Oedipe au cours du festival IFUT 2006, un festival étudiant qui rassemble des spectacles étudiants de plusieurs pays, tels l'Indonésie, l'Égypte, dont la France, représentée par Oedipe, version iranienne. Nous avons pu assister aux répétitions de Fabrice, qui a fait travailler les trois rôles principaux, à savoir Oedipe, Créon et Coryphée. Un travail surtout axé sur les sensations. First thing is we are in a realistic scene, so maybe this what you did now it was a little between realistic. Donc c'est deux dirigeants qui sont en situation de crise et deux affaires qui sont en train de
deux visions différentes de gouverner. Parce que l'idée de la mise en scène, c'est que tous les espaces se chevauchent et tous les temps se chevauchent, qu'il y a des espaces de temps, tout se joue en même temps, tous les temps, tous les espaces. Certains des étudiants qui devaient partir pour Paris dans peu de jours n'ont pas encore eu leur visa. Et ceux qui n'avaient pas encore effectué leur service militaire devait s'acquitter d'une somme équivalente à 15 000 euros pour obtenir un visa et donc ne pouvait pas partir. Ainsi, au lieu de répéter comme prévu, tout le monde s'activait à remplir des formulaires, à aller faire des photocopies, des photos d'identité. Fabrice était plus ou moins dépité, car au lieu de pouvoir répéter, il devait s'occuper des formalités administratives. Mais il s'y pliait de bonne grâce, car il devait s'en occuper de toute façon s'il voulait que le spectacle fonctionne en France. Il devait organiser dès le lendemain un casting supplémentaire. C'est toujours assez compliqué. On a des partenaires solides, hein, institutionnels, donc cela nous permet d'avoir certaines facilités. Mais c'est vrai que, étant donné le contexte actuel, c'est toujours un petit peu difficile, hein, au niveau des formalités administratives. Bon, c'est des problèmes que l'on surmonte, mais qui sont assez pesants, étant donné le contexte actuel international. Là, c'est « before the butterfly ». And after Apollo and Apollon did this, but I think that maybe freedom is possible. And after they disappear. Yes, Bert. No, I'm not guilty. I think Antigone بچه پر به دنیا میاره با بعد از اون صحنه تو دوباره انرژی گرفت آنتیگون چی بود دیالوگ آنتیگون دیالوگ چیه آنتیگون دیالوگ نداره فقط به دنیا میاره اینجا که من بهت میگم اینجا اما من در سکوت رنج میکشیدم تا اینکه به نوبت چیزی جز نام است نگو ادیب ادیب نام تو دو پای کودکانه را بیاد می آورد ادیب کودکی که دو میخ باهایش را به رنج پیامبران پاسخ نده چیزی جز نامت نگو قدرت یا دانش هم قدر ارزش ندارد که تو نه اینکه زنده باشه با مرد با عوض سرگرد پاسخ را فریاد زدم صورت اون از دوشت پرده عشقهای او یا من Nous espérons continuer, comme nous avons fait depuis 2 ans, des relations durables avec l'Iran, notamment créer un espace de travail à Téhéran pour acquérir la culture française. Et développer le projet encore plus avant. Et développer le projet plus avant et permettre aussi que les productions faites en Téhéran puissent venir en France régulièrement sous forme d'un festival. Le mardi 20 mars, jour de l'ouverture de la semaine de l'intime partagée à l'Auditorium Saint-Germain, arrivaient les acteurs iraniens à Paris. Toutes ces personnes, vous pouvez venir avec moi dans l'autre salle, on va organiser ça. Voilà.
Catherine. Non, c'est bien. Il y a la gentillesse d'accueillir une personne chez elle. Elle va choisir. Il va accueillir un garçon chez elle. Mathieu. Bon, la gentillesse aussi d'accueillir deux personnes chez eux. Et donc on va se faire ça en équipe de deux ou de trois si il Après le Siabasi, le spectacle d'ouverture de la semaine de l'intime partagée, pendant toute la semaine, s'en est suivi à l'Auditorium Saint-Germain tout un programme de conférences, masterclass. Il y a eu Oedipe, d'après Sophocle et Henri Beauchaud, mise en scène de Fabrice Nicou, que nous avons vu répéter à Téhéran. Les chevaux du ciel tombent en pluie de poussière. Mise en scène par Ali Razi, avec Hassan Majouni et Véronique Sacri. Avec la famine, la faim. Quand un homme a faim, il est capable de sucer les pieds et les mains des Maccabées, alors pourquoi pas sa propre cervelle ? La conférence des oiseaux, mise en scène et interprétée par Pierre Lamoureux, d'après un texte de Farid Oudinattar. Le Joug et le Papillon, le spectacle d'Arvan Ashtaray, s'est joué au Théâtre du Nord-Ouest du mercredi 21 mars jusqu'au mardi 3 avril pour plus de 10 représentations. همیشه اونجا نشستی و نگاه ما از من گرفتی من پارم از تو سرم پار از توه چشام پار از توه دستام پار از توه همیشه خواستم بالات بیارم و نتونستم همیشه خواستم خودم رو بشکافم و از خودم بیرونت بندازم و نتونستم همیشه خواستم خودم از تو خلاص کنم و نتونستم تو نذاشتی من پارم از تو شیطان شریر حرف میزنم از این بابه است که هرگز اراده پروردگار بر این نبوده است که به صورت انسانی زاده شود که پروردگار خود همه هیئت جهان است اما شیطان La semaine de l'intime partagée a été une formidable occasion pour nous de rencontrer des gens extraordinaires. Participer à un programme d'envergure, dont l'initiation première est née de l'amour de Fabrice Nicou pour l'Iran. Avec l'aide d'ACC, Jeunesse et Culture à l'époque, qui a permis au Joug et le Papillon de se produire pendant la nuit blanche. Ce projet a aussi été pour nous l'occasion de découvrir les réalités d'un pays à travers la culture et des jeunes qui formeront son avenir, l'Iran.